Mon collègue policier, moi, nous l'autre fois encore, moi salue courage et détermination. Nous, la lutte que l'a mené dans le pays contre toute qualité bandit pour permettre à la population de mener activité. Permettre à mon aller amuser, surtout pendant la période fin d'année. Nous passons l'année 2023 qui n'est pas facile. Nous, policiers, nous risquons de vivre chaque jour dans la rue. Je dis encore, nous avons des frères qui sont blessés. Nous faisons un pile sacrifice pour le pays. Nous gommons en pile pour réduire le phénomène kidnapping et recommencer à mettre la population en confiance. Réalisation de la dernière activité culturelle montre ça. Comment nous fiers de nous? En nous éviter manipulation, en nous rester soudés, en nous rester unis dans le respect de la loi, dans le respect du règlement intérieur de l'institution, avec le respect du principe démocratique pour une police qui grandit chaque jour. Pour une police qui a vu une professionnelle chaque jour. Au commandement de la police, pour un engagement en l'autre fois, avec support de l'État haïtien, avec support de la communauté internationale, là, pour continuer le travail, pour améliorer les conditions de travail policier. Frères, sœurs, policiers, collègues, moi souhaite une bonne année 2024, qui sont une année de victoire. Victoire dans tout sens. Victoire dans la lutte que nous avons menée contre toute qualité bandit pour permettre la population de vivre. Victoire tout dans l'effort que nous avons fait pour améliorer les conditions de travail policiers. Merci en pile pour le courage. Nous. Vive Haïti, vive sécurité population, vive police nationale d'Haïti.